Eh bien, Midi est de retour avec vous. Et je vous salue dans la paix du cœur, dans la vérité de l'amour. Et nous allons à nouveau pouvoir échanger. Alors je te laisse commencer. Très cher Bidi, pendant ce brasier d'amour hier soir, après t'avoir dégusté avec bonheur et joie, mon corps est devenu très lourd. Toute mon ossature douloureuse jusqu'aux mâchoires et au crâne lui-même enserré comme dans un casque. La fontaine de cristal très active et la petite couronne. Je ne pouvais plus bouger, calme et abandonné, dans un espace noir et infini où je glissais et flottais dans la béatitude. Ce me fut difficile de revenir. Merci, Billy. Je te remercie, mais comme je vous l'avais dit hier, il suffit de me manger pour vivre ce qui est à vivre. Et vous mangez entre vous. Tout cela, vous le savez, nous n'allons pas revenir dessus aujourd'hui. Excepté, bien sûr, si vous avez envie de partager votre vécu. Et ce que tu as vécu est une preuve indiscutable du processus qui vous a été décrit cette semaine d'innombrables façons. Parce que dès l'instant où vous percevez clairement que vous n'êtes ni ce corps, ni ce personnage, ni cette histoire, dans les circonstances actuelles de la Terre, vous êtes déjà libre. Même s'il vous semble perdre ce qui a été vécu, ceci est inscrit et ne peut que se reproduire. Même s'il faut faire au début, je dirais, une forme d'effort, mais plus vous lâchez, plus vous vous installez dans cette unique vérité. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir dégusté ou mangé ou avalé, selon votre appétit, pour constater qu'au-delà des symptômes que tu as décrits, pour ceux qui vivent les énergies, et même sans aucune perception, la liberté est là. Parce que la liberté ne dépend ni de votre conscience, ni d'une quelconque perception. Vous passez à travers tout cela pour vous découvrir en vérité. Comme cela a été dit, dorénavant, il s'agit réellement, concrètement, d'une action collective et planétaire, multidimensionnelle, concernant l'ensemble des consciences, où qu'elles soient, et offrant donc ainsi, par votre intermédiaire, cet espace de résolution de l'antagonisme apparent entre la conscience, quelle qu'elle soit, et sa source elle-même qui n'a rien à voir avec la conscience. Voir cela, quelle que soit la manière de le voir, de le vivre ou de le ressentir, procure cette liberté, même si vous n'en percevez pas immédiatement, au-delà de l'expérience, les effets, ceux-ci apparaissent nécessairement extrêmement vite du fait de la période actuelle de la Terre. «
Comme cela vous a été dit, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de voile, il y a simplement les derniers jeux de la conscience qui vous permettent de vous retrouver au-delà de tout jeu et antérieurement à toute conscience. Vous vivez donc de quelque façon que ce soit le retour à l'unique conscience qui est apparue lors de la toute première création, et c'est de retrouver cela qui réalise bien plus que le serment et la promesse, mais vous permet absolument à tous, sans exception, quoi que vous en pensiez encore, cet état ultime qui est l'état initial antérieur à la création. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous ne pouvez y échapper. Et cela devrait rassurer ceux d'entre vous qui pour l'instant ne vivent rien, ou encore mieux, se trouvent en opposition, en confrontation ou en contradiction avec le fait d'être antérieur à la conscience. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit votre point de vue, quel que soit votre vécu, même et surtout si vous êtes encore inséré, si je peux dire, dans cette réalité tridimensionnelle, du fait des circonstances collectives, vous ne pourrez vous soustraire bien longtemps à la vérité. Il ne sert à rien pour ceux d'entre vous qui ne vivent rien de faire des efforts, mais simplement de se contenter de cette notion d'accueil, de patience et de douceur pour le vivre. Même si cela vous semble aujourd'hui hors de portée ou tellement loin de ce que vous vivez, je vous rappelle que là aussi, il n'y a pas de meilleur emplacement que là où vous êtes pour vivre ce qui est à vivre. Je dirais même aujourd'hui que le jeu de l'intelligence de la lumière, au travers de votre personnage et de vos histoires, a créé les conditions les plus propices pour vivre cela. Et surtout si aujourd'hui, vous vous sentez exclu ou très loin de cette vérité qui est unique. Soyez sage, soyez doux avec vous-même, avec votre mental, avec votre point de vue, ce qui permettra de relâcher toute résistance, même inconsciente, au vécu de la vérité et à son installation. Vous voyez, comme disait mon acolyte, ça devient de plus en plus simple. Même si ça vous semble complexe et tellement loin de vous, vous n'avez jamais été aussi près. Dès l'instant que cela soit à un moment, collectif ou pas, que cela soit reporté de quelques jours ou quelques semaines, je vous assure que cela ne fait aucune différence. Ne vous voyez pas comme différent ou anormal, mais simplement pensez que votre ligne temporelle n'a pas rejoint encore individuellement le temps zéro. Rappelez-vous que vous n'avez pas à être déçu, à attendre, ni projeter le moindre aspect négatif, mais même et surtout si vous ne vivez rien,
peut-être de réfléchir un peu sur ce que signifie accueillir plutôt que de mettre le mental devant. En ce qui concerne ce processus que vous pouvez appeler la résurrection collective, vous n'avez besoin, cela a été dit, d'aucun outil. Et surtout pas de mettre au devant de vous tout ce qui concernerait une supposée carence ou insuffisance de votre personnage, car ce que vous pensez ne change rien. Votre moment, votre instant arrivera par surprise dès l'instant où vous aurez réalisé les rendez-vous qui sont annoncés, je crois. Tout deviendra en quelque sorte beaucoup plus évident encore, beaucoup plus facile à ce moment-là et après. Donc occupez-vous non pas de ruminer ou de désespérer, mais d'être le plus tranquille possible, prêt à accueillir. Je vous signale que vous avez d'ores et déjà, et je les vois puisqu'ils m'ont mangé, d'innombrables frères et sœurs capables de vous manger. Alors n'hésitez pas, où que vous soyez, à demander à ceux qui le vivent spontanément de leur demander de vous manger ou de les manger. Ce qui revient au même fondamentalement, comme vous le constaterez. Mais ne mettez ni tristesse, ni désespoir, ni interrogation au devant de ce principe d'accueil. Si vous respectez cela, il n'existera logiquement qu'après ces trois rendez-vous, plus aucune possibilité de ne pas le vivre, excepté bien sûr pour tous ceux qui demeurent encore inscrits dans une histoire, dans un nouvel âge, ou qui attendent un sauveur ou quelque chose d'extérieur. Je peux vous affirmer que les circonstances du vécu de l'ensemble de la Terre, dès la mi-juillet, seront profondément différentes, même si les apparences peuvent encore donner le change. Vous constaterez en vous, comme de partout, d'innombrables signes, non pas de la résurrection, mais d'innombrables signes d'un processus collectif, global, qui touche tout. Jusqu'à présent, les témoignages de vos vécus, de votre résurrection, comme je l'ai dit, voilà pas longtemps, était majeur, pas pour vous, bien sûr, mais pour tous ceux qui auraient l'occasion, ne serait-ce que de lire et d'être touchés. Dès le milieu de ce mois, une fois passé, les réunions collectives, vous constaterez une fois de plus une forme d'accélération du temps, accélération des événements, amplification des signes de toute nature en vous
comme sur l'écran de ce monde. Qui fera que, quelle que soit la date de l'événement collectif, l'imprégnation collective de l'événement sera très réelle et de plus en plus concrète. Que cela soit justement par les signes, les vécus et même certains rêves ou certains états qui vous annonceront clairement, de plus en plus clairement, que quelque chose d'inédit est en train de se produire. Je pourrais dire que là aussi, nul ne pourra ignorer son vécu et ses signes, que cela soit à l'intérieur, à proximité ou sur l'ensemble de la Terre. C'est cette rupture d'équilibre ou d'homéostasie, si vous préférez, de la conscience globale planétaire qui se trouvera impactée par votre action. Et c'est votre action qui, quelque part, précipitera ou démasquera en vous, comme aux cieux, comme sur terre, les signes. En résumé, vous êtes rendu à quelques jours de très grandes transformations, révélations et résurrections, donnant une dernière impulsion, je dirais, au processus. Vous constaterez d'ailleurs, même en étant placé au sein de certaines illusions spirituelles, que cela touchera aussi ses frères et ses sœurs. La grâce n'est pas réservée à quelques-uns, ni à quelques milliers, ni à quelques millions, mais concerne l'ensemble du collectif de conscience. Un certain nombre d'éléments ont déjà pu être remarqués par vous-même, concernant ne serait-ce que les consciences présentes au sein de la nature, de ce monde, où d'innombrables comportements dits animaux se transforment, réalisant en quelque sorte à chaque fois une forme d'appel ou de clin d'œil sur ce qui est à vivre. Là aussi, indépendamment de la joie de la résurrection, vous constaterez malgré tout, même sans encore le vivre dans les premiers jours, un vent nouveau, quelque chose de nouveau, qui vient soit vous satisfaire, soit heurter vos convictions, peut-être encore fausses. Tout cela participe indéniablement au processus lui-même. Je dirais que, à partir de ces jours, tous les moyens sont bons et employés par la lumière et son intelligence pour vous faire redécouvrir cette vérité absolue. Il suffit simplement, quoi qu'il se produise ou pas, de vous placer, non pas dans la joie si vous ne la vivez pas, parce qu'elle serait artificielle, mais dans cette notion d'accueil, de devenir le vase, le réceptacle de cet inconnu.
Et soyez assurés que dès l'instant où cette posture fort simple est appliquée, rien ne peut demeurer fermé, occulté ou absent. Donc réellement et concrètement, aujourd'hui, c'est définitivement votre capacité d'accueil sans condition qui crée directement la réalité et la véracité de ce qui a toujours été là. Cela a été dit, il n'y a plus de voile. Alors, on ne va pas faire trop silence longtemps comme hier, afin de ne pas trop vous entraîner dans le feu. Mais plus déjà, dans ce principe de l'accueil. Tu peux poursuivre? Une personne a deux témoignages développés, plus une question. Vous voulez que je fasse un par un ou tout d'un coup? Un par un. Premier témoignage. Dans la nuit du 19 au 20 juin, le 19 étant le jour anniversaire de la naissance de ce corps, je me suis réveillé dans la nuit en sursaut dans ce corps, dans un brasier de feu et d'amour, me consumant littéralement. Alors je me suis mise à absorber des êtres qui venaient à ma conscience, d'autres que j'amenais au cœur, et puis le lieu où je vis, ainsi que tous les êtres, jusqu'à la terre entière, l'univers, les sept univers, toute la création. Tout le corps brûlait dans ce brasier intense. Je sentais cette expansion d'amour unifiant toute la création. Il n'y a pas de mots pouvant signifier la grandeur de ce vécu. C'était juste « waouh ». Et là, j'ai disparu. Cela s'est renouvelé 3 ou 4 fois dans la nuit, jusqu'au matin avec la même intensité, et toujours... C'est arrivé en sursaut dans le corps avec ce brasier de feu. Voilà, déjà le premier. Poursuis, ça c'était le premier. Va au deuxième. Il y a environ une semaine, je me souviens plus du jour exact, alors que je prenais la route, je me suis d'abord arrêté faire une course. Au moment de payer, je demandais à une dame à la caisse si je pouvais passer n'ayant que 4 articles. Elle a d'abord pesté, prétendant qu'elle travaillait. Je lui ai répondu alors qu'il n'y avait pas de problème, je pouvais rester derrière. Peut-être a-t-elle considéré toutefois mon handicap, tout en continuant de rouspéter. Elle me laissa passer, toujours énervée. Lorsque je retournais à la voiture, je sentis une sensation désagréable au niveau du plexus solaire. Alors je mis cet être en mon cœur, ainsi que l'événement qui s'était produit. Et là, je sentis une pression au niveau du cœur et le feu. Je sentis le sourire se dessiner sur mon visage et les yeux larmoyer de joie. La sensation au niveau du plexus disparut pour laisser la place à ce feu et à cette pression qui prenait toute la poitrine. Fin du deuxième témoignage. Là, j'ai quelques mots à dire sur ce deuxième témoignage. Il est la preuve, avant la question... qu'il est indiscutable que même dans les circonstances les plus ordinaires, si vous pensez à mettre cette notion d'accueil, ou de manger l'autre, ou de douceur, au devant de ce que vous vivez même dans le corps, même si c'était vrai et lié à cette circonstance, vous allez littéralement passer en ultra-temporalité, et résoudre aussi bien dans l'instant que dans le passé, que dans le futur, qui n'existe pas, ce qui a été vécu. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, par vous-même, au-delà de la réabsorption ou de la dégustation de l'essence d'un être, vous avez la possibilité immédiate, si cela vous concerne, de faire disparaître toute influence du passé, que ce passé date de quelques instants ou de n'importe quand. C'est-à-dire que votre simple présence et votre simple conscience, par cet acte d'accueil et d'amour, rend possible la résolution dans le présent
de toute mémoire comme de tout avenir. Cela concourt à la paix, et dans ce cas-là, tu as pu constater l'action immédiate. Quel que soit l'atteinte qu'on peut considérer ici comme extérieure par la colère de l'autre, tu n'as pas réagi, tu as été gêné au niveau du plexus et tu as eu l'idée d'absorber cela. Comme cela a été dit, vous pouvez absorber n'importe quelle circonstance du passé, non pas pour retourner dedans, mais pour supprimer dans l'instant les conséquences, quelles qu'elles soient, de quelque situation passée. La résolution des cicatrices, des blessures, appelez ça comme vous voulez, se fait aussi par l'accueil dans l'instant présent. Vous allez constater, d'ici quelques jours, de façon plus facile peut-être, cette capacité nouvelle, non pas d'aller élucider quelques blessures ou quelques éléments de votre passé, mais de faire en sorte que votre instant présent ne puisse plus jamais être affecté par quelques blessures du passé ou quelques événements de l'avenir. Vous allez donc encore plus ancrer, si je peux dire, votre éternité. Parce qu'à ce moment-là, qu'il s'agisse des souvenirs ou des mémoires ou des peurs du futur, vous allez les intégrer dans le même instant présent par votre accueil. Et là, au-delà du mécanisme d'absorption de l'essence, vous allez pouvoir constater que vous pouvez absorber en vous tout élément du passé ou tout élément à venir, et transformer réellement votre instant, mais aussi le passé, et aussi l'avenir. Parce que vous avez tout remis dans le même temps, celui de la grâce, celui de l'éternel présent, de la vérité absolue, là où il n'y a personne, ni aucune histoire. Autrement dit, le brasier d'amour ou l'accueil prochainement réalise tout naturellement cette alchimie. À partir de ce moment-là, quand vous commencerez ou avez déjà vécu cette joie, vous allez voir que vous pouvez, sans une quelconque volonté, sans une quelconque explication, faire littéralement disparaître de vos champs de conscience et de votre présence quelque élément que ce soit concernant des éléments de votre histoire. Que cela soit une anomalie organique, fonctionnelle, psychologique ou autre. Vous allez donc être au-delà de la résurrection et de la joie de la vérité, être capable d'élaguer, sans réfléchir, sans rentrer dans quelque explication, toute blessure active dans le présent, de quelque nature que ce soit. De la même façon, et je crois que ça a été dit par l'acolyte, le plus important c'est l'absorption de l'essence, mais vous pouvez réabsorber de la même façon quelque élément de l'histoire que ce soit. Vous en constaterez les effets sur votre vécu de l'instant. Et cela concerne aussi bien des organes, des cicatrices, des blessures, des mémoires, comme vous dites. Non pas pour aller élucider les mémoires, mais pour les fondre dans l'instant présent, dans cet accueil, sans rien demander de particulier. Parce que la pensée est opérative par le biais de la conscience christique. La difficulté, je dirais, la plus grande
que nous avons nommées les habitudes, et peut-être dans votre conscience, de ne pas imaginer, même en ce monde, que vous n'êtes qu'une succession d'événements qui se déroulent dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que même au sein de cette dimension, il vous faut réaliser, conscientiser et œuvrer depuis l'instant éternel présent sur tout ce qui apparaît sur l'écran de votre conscience. Si vous pensez souffrir parce que vous avez été abandonné, si vous pensez avoir eu des expériences dans quelques domaines malheureuses et que vous pensez que celles-ci vous figent et vous bloquent, il suffit de les manger elles aussi pour constater l'effet immédiat, non seulement sur la conscience, sur la vérité, sur la joie, mais aussi sur ces éléments parfois insignifiants ou parfois qui vous ont pollué, si je peux dire, votre vie, n'auront plus aucune incidence. Cela vous démontrera de manière formelle que vous n'êtes plus inscrit ni dans le temps, ni dans l'espace de la personne, de l'histoire ou de ce monde. Faites-le et vous verrez. Vous pouvez donc ainsi directement par vous-même, au-delà du mécanisme fondamental de l'absorption des essences humaines, résoudre dans le présent, par la vérité de l'instant présent, tout élément qui vous semble encore trop présent, même s'il vient d'un passé lointain, quel qu'il soit. Quand vous aurez compris et utilisé ce mécanisme, à propos de tout et de rien, vous constaterez immanquablement les résultats quasi immédiats, voire immédiats, dans tous les domaines de votre vie. Le but, bien sûr, n'est pas d'améliorer l'instant, mais de le libérer réellement et concrètement de toute influence mémorielle passée ou future, vous permettant alors de vérifier que tout se trouve dans l'instant, de l'ici et maintenant, au cœur du cœur. C'est réellement, je dirais, une possibilité nouvelle qui n'a jamais existé au dehors de certains cas particuliers, de façon aussi accessible, permanente et de partout. Je te laisse poursuivre. Alors, excusez-moi, deux rectifications. D'une part, les deux témoignages n'étaient pas de la même personne. Ça n'a aucune importance, j'ai pas fait de lien de toute façon. Alors finalement, si, c'était quand même de la même personne. Faudrait savoir. Voilà, c'était la même personne et en plus, le deuxième témoignage n'était pas terminé. Je vous le termine. Termine-le. Donc on était au grand magasin et alors, tout en roulant, j'ai eu l'idée d'absorber tous les bruits, les sons, tout ce que mes yeux voyaient, les voitures, les arbres, les oiseaux, les êtres. Au volant ? Oui. Et tout le long du voyage, je vécus cette extase, cette joie et ce feu d'amour. Je sentais et vivais à la fois cette expansion, cette pression qui prenait toute la poitrine, englobant même la gorge, et ce feu où tout pénétrait. J'avais la sensation que l'amour sortait de partout, du cœur, des yeux. Avec ces larmes de joie, je vivais cet amour de partout, en dedans, en dehors. Tout n'était qu'amour. Voilà. Maintenant, le deuxième témoignage est terminé vraiment. J'ai rien de plus à rajouter, c'est la stricte vérité du vécu. Dès l'instant où vous mettez l'amour devant et l'accueil devant toute problématique personnelle de quelque nature que ce soit, vous n'avez pas à attendre longtemps pour en vérifier l'efficacité.
Vous ne fonctionnez plus de façon strictement linéaire, ni même, bien sûr, unidimensionnelle, même si vous n'avez rien vécu. Faut-il encore le mettre en œuvre et le vérifier, mais pas simplement y penser. Et dès que vous ferez, comme cela a été indiqué dans ce deuxième témoignage, que cela soit en rêve ou réel, ne change rien. Vous allez constater les changements. Vous ne verrez plus le monde, votre histoire, votre personnage, comme réel, puisque la seule réalité est cet amour. Alors, il y a une question, je crois, après. Oui, mais finalement, cette question n'est pas de la même personne, et ça, c'est certain, finalement. Donc, une autre question d'une autre personne. Petite question, je ne sais pas si cela a déjà été dit ou pas, du fait que j'écoute en différé. J'ai commencé par accueillir un voisin en pensant à lui. Le jour où je me trouverai face à lui, est-ce que je peux ou dois refaire la démarche? Ou bien cela ne doit pas se répéter sur la même personne? Tu peux le répéter à l'infini. Si tu savais le nombre de frères et sœurs qui m'ont mangé des milliers de fois, vous absorbez l'essence. Vous savez pertinemment que vous n'allez pas détruire l'essence de l'autre, c'est impossible. Mais vous allez à chaque fois réinformer votre champ de conscience par cet acte-là. Et c'est ça qui crée l'unité. C'est ça qui recrée, par l'accueil du féminin et par le brasier d'amour, toutes les circonstances et vous permet, de façon de plus en plus tangible, évidente et extensive, de vivre la vérité que vous êtes. Et comme cette personne le dit ou le demande, vous pouvez le faire à l'infini. Et si vous trouvez une essence à déguster qui vous convient parfaitement, vous pouvez la réabsorber à chaque fois, mais en y associant une conscience de plus, par exemple. L'important, c'est que le processus de l'accueil, de l'absorption, de la dégustation prenne tous les temps. C'est pas arithmétique au niveau d'un nombre, puisque l'information est accessible partout. Plus vous vivez cette information, plus elle s'actualise pour l'ensemble du collectif, de manière instantanée. Et vous allez voir d'ailleurs qu'au décours de cette période de début juillet, vous allez avoir de plus en plus de témoignages, non pas simplement de résurrection ou de vécu, mais de la réalité de cet amour nu, de la réalité de l'accueil et de la joie. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui soit capitale. Parce que cette chose capitale, quand elle est vécue, elle met fin à toute attente, à toute projection, à toute peur, et surtout réunifie la seule et unique conscience. C'est ça l'événement collectif. Donc on vous a proposé d'absorber d'abord des essences humaines, mais vous constatez déjà que vous êtes innombrables à le faire pour les situations. Mais vous pouvez le faire aussi pour tout ce qui semble vous gêner venant de votre passé. Non pas pour l'expliquer, non pas pour le pardonner, mais pour réellement l'absorber, le dissoudre. Vous n'avez pas besoin dans ces cas-là d'émettre la moindre volonté, mais simplement l'intention. Et cela se fait, et le plus souvent sans délai. Ce qui veut dire que tous les prétextes, toutes les occasions, tous les vécus, quels qu'ils soient, dans très peu de temps, aboutiront toujours
au même résultat, la joie. Quoi que vous en pensiez, même si cela aujourd'hui vous semble tellement hors de portée pour vous comme pour la terre. Et c'est pourtant la stricte vérité. Cela a été dit par l'acolyte, je vous le redis, ça va devenir affreusement simple. Ça l'est déjà pour nombre d'entre vous. Et plus c'est simple, plus c'est léger. Plus c'est léger, plus c'est vrai. Et moins le personnage, l'histoire ou ce monde ne peut vous embêter en aucune manière. Parce que cet amour et cette joie recouvrent tout, pas seulement la terre, comme ça a été le cas, mais vos regards, vos pensées, vos mots, vos intentions. Mais aussi attention à vos réactions. Parce que si vous rentrez en réaction par rapport à vous, par rapport à n'importe quoi, en ne mettant pas l'amour et l'accueil devant, vous allez assister à l'inverse. Les pensées vont vous envahir, vous gêner, l'humeur va se réinverser. Il vous suffit à ce moment-là de repenser à la joie, à l'amour et à l'absorption. C'est tout. Et je vous garantis que très vite, quel que soit votre vécu d'aujourd'hui, une fois que vous aurez pigé, si je peux dire, compris et vécu cela, vous constaterez avec aisance que vous le mettrez en œuvre tout de suite. Et de plus en plus aisément. Et je le répète, il n'y a rien de plus simple. Tu peux poursuivre. Hier, dans le processus d'absorption de quelques essences, j'ai observé que je devais recommencer comme si elles étaient plus goulues que d'autres. Cette observation est-elle fondée? Merci, cher Bidi. Tout à fait. C'est ce que je disais par rapport à moi-même. Il y en a qui m'ont mangé des milliers de fois. Dès qu'ils se lèvent, ils me mangent. Puisque plus vous mangez, plus vous constatez les effets, il n'y a aucune raison de vous en priver. Et quand vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire sans arrêt. Parce que c'est ce mouvement, cette décision que vous prenez, qui crée l'accueil et qui l'augmente, si je peux dire, de plus en plus. Vous vous placez comme cela, même sans le vivre et le savoir pour le moment, dans l'instant présent et dans l'amour. Et immanquablement, l'amour se révèle, la joie aussi. Si ce n'est pas la première fois, remettez votre ouvrage quelques fois et vous constaterez la véracité. Changez aussi de repas si cela ne vous convient pas. Et n'oubliez pas que quand vous réalisez cet acte d'amour, d'accueillir l'essence de l'autre, vous pensez être deux. Les deux le vivent. Même ceux qui s'endorment et qui ne sentent rien, vous avez passé l'information, elle est inscrite dans les champs de l'individu, prête à ressurgir, dès que l'intelligence de la lumière trouvera pour vous la bonne circonstance. Je dirais qu'au-delà de ça, vous n'avez rien d'autre à vous préoccuper, en tout cas en ce qui concerne l'esprit. Tout sera prétexte et occasion de vivre la vérité, où que vous soyez et dans toutes les circonstances. D'ailleurs, on l'a vu dans un des témoignages, c'était en faisant les courses. Ce n'est pas l'endroit le plus spirituel qui soit d'aller dans un commerce.
Toutes les occasions sont bonnes. Sans exception. Même dans les situations qui peuvent vous sembler les plus noires, les plus difficiles à vivre. Acceptez que même dans le désespoir le plus grand, il y a par la joie l'opportunité qui vous est donnée et offerte de le vivre. Ne voyez pas votre mental dorénavant, ou votre corps, votre âge, ou les circonstances de votre vie, comme un quelconque obstacle pour vivre cette joie. Puisque ça ne dépend d'aucune circonstance. Il n'y a que la personne qui peut penser que ça dépend d'un moment où vous êtes tranquille, d'un moment où vous avez le temps, quand vous n'êtes pas pris par les préoccupations familiales, financières ou autres. Mais ça, c'est des prétextes. C'est des faux alibis. Rien ne peut gêner, encore moins que depuis le début de la résurrection, la mise en vérité de celle-ci. Quoi que vous disiez, toutes les circonstances, même la souffrance, même s'il faut s'en occuper, nous vous l'avons dit, sont des prétextes et non pas des obstacles, malgré toutes les apparences. Et ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont loin, que leur personne ne veut pas disparaître, qu'ils ont un mental devant, ou qu'ils n'y arriveront jamais, vous n'avez jamais été aussi près, et bien plus près au jour d'aujourd'hui, que ceux qui sont en train encore de faire des plans sur un New Age quelconque. Rendez-vous compte, vous n'avez jamais été aussi près. Surtout si vous avez l'impression que c'est l'inverse. C'est plutôt ceux qui n'attendent rien ou qui projettent un avenir qui peuvent être encore pour quelques jours ou semaines un peu à la traîne. Mais pas vous. Tout n'est que prétexte. Que ce soit la maladie, que ce soit votre mental, ou le fait de dire « j'ai pas le temps » ou « j'ai trop de choses à faire », c'est que vous devez le vivre comme ça. Bien peu, bien plus que ceux qui délibérément se placent en opposition ou en contradiction avec ce qu'il se déroule, parce qu'ils en ont peur. Mais vous qui pestez de désespoir, de rage, d'attendre, vous n'avez jamais été aussi près. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de distance, nous l'avons déjà dit. Mais faut-il encore le vivre? Tu peux continuer. Nous n'avons plus de questions écrites pour l'instant. Alors vous pouvez parler ici dans ce lieu où ils sont tous partis déjà. Moi je peux vous dire ce que j'ai. Bon, moi je suis dans les pas doués a priori. Hein. J'ai fait l'exercice hier de vous manger. Et effectivement, ça m'a procuré un certain bien-être. Pas une joie extraordinaire, mais après, j'ai été pris par mes pensées qui m'ont fait oublier l'exercice lui-même. C'est-à-dire que j'ai oublié que j'étais censé vous manger et manger d'autres personnes. Alors j'ai l'impression que pour moi, il ne faut pas forcément faire une heure d'un coup, comme si j'étais un gamin qui devait commencer par 5 minutes ou 10 minutes au début. Peut-être qu'après, je serais capable de faire plus longtemps d'un coup. C'est à toi de t'adapter, en fonction de ce que tu vis. Chaque cas est différent. Il y en a qui arrivent à manger, et qui ont mangé, avant qu'on parle d'essence, tout le système solaire, des planètes entières. Mais là, comme on mange au-delà de toute histoire, sur l'étincelle divine ou sur l'esprit premier, mange quand tu le sens. Si tu sens que le mental prend le relais, soit tu te remets dans l'acte d'absorber,
soit tu le refais à un autre moment. C'est comme ça que vous allez progresser, je peux dire, dans l'établissement de plus en plus permanent de la joie et de l'amour. Même si au début, comme tu le dis, c'est un vague soulagement qui dure que quelques minutes. Remange. Il vous faut une certaine forme de persévérance. Pas dans l'instant nécessairement, comme tu dis, mais c'est différent pour chacun. Et quand nous insistons les uns et les autres sur le fait qu'il n'y ait rien de plus important que cet acte-là, parce que c'est celui qui vous conduit directement à la résurrection, à la joie, à l'amour. Et je dirais même que c'est dans ce qui vous a le plus dérangé, dans une relation avec un frère, une sœur, ou votre propre colère, que se trouve le plus d'opportunités. Bien plus que dans les moments où vous êtes déjà dans l'amour, déjà calme, où il n'y a plus rien. Après, c'est une organisation pratique ou technique qu'il t'appartient de décider. Soit, comme tu dis, tu sors de cet état parce que le mental revient, ce n'est pas grave. Reprends la chose 1 heure, 10 heures plus tard, peu importe. Change de cible. Ou reprends la même cible. C'est à chacun de vous qu'il appartient de faire ses propres expériences, mais toujours avec ce sens de l'accueil, de manger, d'absorber. L'essence, bien sûr, là c'est important pour la période collective, mais comme vous le dites les uns et les autres, vous pouvez aussi manger des relations, du passé, de l'avenir, tout. Le faire vôtre. Vous donnant à vivre que absolument tout est vous. Au-delà de tout monde, réellement et concrètement. Cela vous emmène à sortir des pièges de l'ego, des pièges de l'orgueil spirituel, des projections, des fanfaronnades. Vous ne pouvez être que vrai avec cela. Et quelle que soit l'intensité du simple réconfort ou de la joie totale, peu importe, persévère, recommence. Oui, c'est comme ça que cela se passe. Après, le nombre, la proportion, la posologie, le temps est une affaire personnelle. Chacun doit trouver son propre rythme, tant que vous en avez le temps. C'est le premier pas qui est toujours le plus dur, parce qu'accepter, pour l'ego comme pour l'être soi-disant spirituel, que prendre l'autre en soi, ça libère, ça peut sembler bizarre. Et pourtant, ça a été dit et répété, vous êtes réellement, et nous sommes tous les uns dans les autres. Rien ne peut être séparé, malgré toutes les apparences. Et c'est souvent dans celui que vous considérez comme l'ennemi, comme celui qui vous embête, pour ne pas dire de gros mots, que se trouve la plus grande opportunité. Parce que vous passez outre justement ces résistances-là. Donc même si c'est très agréable et très efficace de me manger ou de manger à bas ou qui vous voulez, n'oubliez pas surtout de manger même des inconnus. Et comme cela a été dit, vous n'avez pas besoin de demeurer allongé. Il vous suffit simplement de changer de regard dans les circonstances de la vie. Quelle qu'elle soit. Essayez la bienveillance. Essayez cet accueil. Surtout si vous avez envie de fuir. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. Vérifiez-le par vous-même. Et vous ne pourrez que le vivre. De la même façon que je disais en étant incarné que mes paroles ne pouvaient pas échouer,
Je vous dis aujourd'hui que cet acte-là ne pourra jamais échouer pour qui que ce soit. Il n'y a rien d'autre à faire. Ni méditation, ni prière, ni expansion de conscience, ni voyage. Rien, juste ça. Tout le reste, même ce que vous nommez votre vie, va devenir, même dans ce tohu-bohu, un paradis. Vous êtes gagnant de partout. À vous de le voir. À vous d'en profiter. Ce qu'il vous est demandé par l'intelligence de la lumière, ni par Bidi, ni par Abba, que d'ailleurs nombre d'entre vous ont saisi quelque part intuitivement, ce n'est pas de rejeter ou d'éliminer ce qui vous gêne, mais de l'accueillir totalement. Et là, vous mettez à bas le principe d'action-réaction. Il ne peut plus exister. Il ne peut plus se manifester. Vous êtes en accord et en syntonie avec la matrice christique et la conscience christique. Vous êtes à bas, vous êtes le Fils, vous êtes qui vous voulez, au-delà de toute fonction et rôle et image, vous êtes la voie, la vérité et la vie. Que vous faut-il de plus? Rien. Alors je ne peux que t'encourager à reproduire cela, même si dans un premier temps, tu ne peux pas parler de vraie joie, comme tu l'as dit, d'un petit apaisement. Mais à chaque fois que tu le reproduiras, tu constateras que cet apaisement devient de plus en plus grand, de plus en plus durable, et surtout va être remplacé par cette joie. Ça ne peut pas échouer. C'est impossible. Mais bien sûr, c'est tellement simple que pour tous les spiritualeux, ça semble impossible, que pour tous ceux qui sont inscrits dans la personne et qui tiennent à la personne, à leur histoire, ça semble déraisonnable. Mais oui, c'est la folie de l'amour, la légèreté de la vérité, c'est l'humour aussi, c'est de ne pas vous prendre au sérieux, c'est rire. Être respectueux, mais rire. Et si réellement vous acceptez intellectuellement que non seulement l'autre est vous, et qu'il est encore plus important que vous dans ce qui se révèle maintenant, c'est gagné. Totalement gagné. Il ne peut pas y avoir de perdant. On peut continuer. Ils n'ont pas l'air très désireux de questionner, là. Il faut pourtant le faire pour tous ceux qui vous écoutent, hein, et qui vous écouteront. Nous avons une question. Allons-y. Un témoignage. Un témoignage. Alors, les témoignages aussi. Donc, hier soir pendant l'alignement. Hier soir pendant l'alignement. Je vous ai dégusté. Je vous ai dégusté. Le cœur était en feu. Le cœur était en feu. Et j'avais de fortes douleurs dans les bras et les jambes. Qui m'empêchaient de vivre vraiment la joie. Donc après l'alignement, je me sentais triste. Et cette tristesse était toujours là ce matin. Je suis allée dans la nature. Et la communion avec les oiseaux, les arbres, les fleurs. Et la communion avec les oiseaux, les arbres et les fleurs.
à ramener la joie au cœur. À ramener la joie au cœur. Tu sais ce qui s'est passé là, tout simplement? Comme tu as senti ces douleurs qui sont rien d'autre que l'anesthésie du corps, comme vous l'aviez quand vous vous posiez immobile, tu as interprété ça, dis-moi si je me trompe, comme un échec. Mais fallait passer outre. Tout ça vient du problème de sentir les énergies, on est d'accord? Celui qui ne sent pas la vibration et l'énergie, il ne peut pas être gêné par une douleur liée à la vibration. Je te rappelle que dans l'absorption, quand tu vis les énergies, tu peux sentir toutes les structures vibrales se mettre en action et effectivement rigidifier ton corps et donner des douleurs. Mais si à ce moment-là, ton mental te dit « Oh là là, j'ai mal, j'ai pas digéré », surtout s'il s'agit de moi, j'ai pas de corps. Donc il n'y a pas de danger d'être affecté par des composantes de ma personne. Donc c'est ton mental qui t'a dit « je l'ai pas vécu parce que j'ai eu des douleurs » alors que c'est faux. Ta conscience était trop dans la perception des mécanismes plutôt que dans le vécu nu. Donc ne vous laissez pas abuser par un excès de vibration, de chaleur ou de douleur, ou même dans certains cas d'une nausée. Surtout en ce qui concerne une absorption, une dégustation d'un être qui n'a plus de chair, c'est logique, surtout pour ceux qui y vivent les énergies. Mais regarde comme le mental est subtil et malin, puisque même en vivant le feu du cœur, les douleurs t'ont mis dans la tristesse. Et je me trompe ou pas, tu as assimilé ces douleurs à des résistances. Alors que c'est juste le processus de l'alchimie entre ton corps d'éternité et le corps physique. Tu t'es figé toi-même. C'est l'écueil que vous pouvez rencontrer au début quand vous avez l'habitude de sentir soit l'énergie, soit les vibrations. Alors vous allez vous dire, oh là là, ça me serre les chevilles, oh là là, ça engourdit les bras. Mais traversez ça. Ne vous arrêtez pas à la perception énergétique ou vibrale. La joie, elle est juste derrière. Sans ça, bien évidemment, tu fiches ta propre lucidité et ta propre conscience sur l'interfaçage entre l'éternel et l'éphémère. Et après, bien sûr, libéré ou pas, le mental a très vite fait de récupérer cela en te disant de manière sournoise, tu vois, c'est pas vrai. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Peux-tu confirmer que tu sens les énergies et les vibrations? Pas toujours. Pas toujours. Mais là, en l'occurrence, tu en as conclu quelque chose de faux. Et ça a suffi à inverser l'humeur. Mais attention, je ne suis pas non plus digérable par tout le monde. Il peut aussi arriver que vous ayez l'impression, même avec moi, sans corps de chair, de ne pas pouvoir tout manger, ou qu'il y a une certaine lourdeur. Ne vous inquiétez pas. Changer de cible, et c'est tout. Vous avez toutes les consciences à disposition. De la même façon, quand vous mangez physiquement, vous n'allez pas vous forcer à manger ce que vous n'aimez pas, non? Ou ce à quoi vous êtes allergique. Avant de pouvoir tout manger, il faut bien manger ce qui est le plus digeste, ce qui est le plus digérable. Et il n'y a qu'en tentant de manger que vous voyez. Et s'il te semble rester bloqué, comme tu le dis hier soir, alors change de personne. Mais en aucun cas, cela ne peut être
un effet secondaire ou un désagrément, c'est simplement l'interfaçage entre l'énergie et le corps qui a créé ça, rien d'autre. Mais si dès l'instant où il te semble vivre un échec ou une douleur, dès cet instant-là, tu es triste, ou que ton humeur s'inverse, et que tu es encore beaucoup trop réactive. Et pas proactive, ou pas dans l'accueil si tu préfères. Dès qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu réagis. Et tu dois être comme ça dans la vie aussi. Dans ce processus de digestion, même s'il existe quelques symptômes, n'allez pas les interpréter. N'allez pas en conclure quelque chose comme ça. Sans ça, vous êtes piégé. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Mais ça l'a fait rire quand même. Ah ben, il y a de quoi, hein? Par rapport à l'intelligence de la lumière, quel que soit vos niveaux de perception et votre propre intelligence, vous êtes nul. On est tous nuls face à l'intelligence de la lumière. C'est évident. Enfin, c'est dit. Parce que c'est vrai que dans les premiers moments, c'est tellement enthousiasmant d'entendre ces témoignages, de vivre ces vécus, que la frustration peut arriver très vite. Le mental est en embuscade, même si vous en êtes libéré. Parce que pour lui, c'est une question de survie de la personne. C'est inscrit dans les gènes, dans le cerveau, partout. Et même si vous avez vécu la libération de la personne, vous êtes encore soumis à ça tant que le corps sera là. Alors de grâce, ne projetez rien. Que cela se passe à merveille, ou au pire que vous ayez une nausée terrifiante, ce n'est pas grave. Cela ne veut pas dire que ça a échoué, bien au contraire. Mais c'est le mental qui s'en empare. Et d'ailleurs, quand vous acceptez ça, vous voyez, il ne peut y avoir que du rire. Et rien d'autre. Mais je te remercie de ton témoignage et de tes rires. Qui a encore envie de rire avec nous? En fait, je voulais juste préciser que, bon, j'ai eu deux fois des moments comme ça, ou des expériences, où le mental était vraiment éloigné. Et du coup, dans ces moments-là, il n'y a aucune difficulté à faire tout ce qu'on veut. Puisque le mental ne vient pas, il a l'air d'être très parti très très loin en périphérie, puis on est dans un état modifié de conscience ou je ne sais pas quoi. Mais du coup, comme ça m'est arrivé rarement, maintenant, à chaque fois que je fais un truc comme ça, où le mental, lui, reste normalement agité et agressif, j'ai l'impression que ça va échouer. Puisque... Le mental t'a programmé pour... Oui, mais je me dis, il faudrait que ça me mette immédiatement dans un état modifié de conscience. Comme je suis sûr que certains, vous voyez, il suffit que hop, et hop, on les voit partir pour 2 heures. Eh bien, moi, je te conseille de manger au mât, tu vas voir. Non, mais je vous explique simplement pourquoi il y a cet écueil, peut-être, d'impression d'échec. J'ai bien compris. C'est-à-dire de croire qu'il faut être dans un état modifié de conscience et que le mental soit éteint, ou alors ça ne marche pas. Mais en fait, il faut s'habituer peut-être à l'idée que le mental est là et tant pis. Complètement. Et c'est la reproduction de l'expérience qui met fin à la prééminence du mental. C'est pas de lutter contre, tu le sais ça déjà. Ah mais moi je lutte pas du tout contre, hein. Mais simplement il y a... Parce que quand le mental est déconnecté par je ne sais quel mécanisme que je ne comprendrai jamais,
puisque je ne vois pas pourquoi il se déconnecte à des moments et pas à d'autres. C'est tellement particulier que on en a le souvenir, et ce souvenir est certainement l'écueil. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Je t'ai donné la solution. Va manger tes expériences passées, afin justement de rompre cette habitude-là qu'a pris ton propre mental, ou même ta conscience ordinaire. Il te faut manger ce passé, pas le résoudre, pas l'expliquer. Mais justement, par cette absorption et cet accueil, tu vas rompre ce cercle vicieux que tu décris toi-même, qui n'est pas un problème de mental, là. C'est un problème de mémoire qui te programme ton instant présent. Tu le dis toi-même. Oui, tout à fait, oui. Donc, ce n'est pas un problème de mental. C'est un problème d'expériences qui ont été vécues, qui t'ont donné à constater cela et qui se reproduisent dans le présent. Il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas un problème de mental. C'est un problème de mémoire agissante dans l'instant présent, qui plus est lié à ce genre d'expérience. Donc dans ce cas-là, plutôt que de manger au moi ou de me remanger, mange aussi les circonstances passées, c'est-à-dire l'influence dans ton présent et dans ton mécanisme de conscience de tout cela, afin justement, dans ce cas précis, de ne plus être soumis à ces deux expériences. On ne peut même pas dire que ce soit des habitudes. Oh ben non, ça... Mais comme c'est quelque chose que tu as repéré comme étant vrai, bien évidemment, tu t'appuies sur l'expérience passée sans chercher à la reproduire, mais simplement en t'attendant à vivre la même chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le mental te colle parce qu'il a fait la même chose dans les deux expériences précédentes. Donc, dans ce cas-là, le fait d'accueillir ces expériences passées pour les réabsorber va te libérer instantanément. Il suffisait d'y penser. Et bien évidemment, tu n'y as jamais pensé. Parce qu'on est ainsi fait quand on est humain, et on ne le voit pas le plus souvent. Alors, quand c'est la peur, un traumatisme précis, bien sûr qu'on y pense. Mais quand c'est quelque chose d'agréable et de spirituel, on ne va jamais imaginer que c'est justement cela qui bloque. Vous ne pouvez pas faire revivre le passé, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus, même sur des choses agréables. Sans ça, vous vous inscrivez dans ce passé, et vous vous inscrivez dans une boucle mémorielle, où le mental a le plus beau rôle. Et après, tu vas pester contre ton propre mental, alors que ce n'est plus un problème de mental. Tu vois la différence? Oui, oui, oui. Ben voilà. Et pour beaucoup, c'est comme ça. Là, ce n'est pas la douleur de la blessure, puisque c'est quelque chose d'agréable. Et bien même ce chose agréable qui est dans le passé, que nécessairement tu vas essayer de comparer dans l'instant et dans le vécu, va te figer. Va pas te le faire revivre, mais va t'éloigner encore plus. Et ça, c'est valable pour d'innombrables frères et sœurs humains incarnés. Nous avons tous tendance, quand nous avons vécu un état particulier, même s'il n'est pas présent au moment où on est dans la spontanéité, il va se représenter. Et ça fait un point de comparaison. Donc ça fait de la dualité, au même titre qu'une blessure ou qu'un événement traumatisant. Et ça peut être encore plus bloquant et plus figeant. C'est cela qu'il faut voir. Plutôt que de s'appuyer sur une extase ou une expérience passée de quelque nature que ce soit. C'est-à-dire que le passé, qu'il soit positif ou qu'il soit douloureux, fiche de la même façon la liberté de ton instant présent. Donc surtout, quand tu mangeras quelqu'un, si ça se reproduit, pense à manger même ces choses sur lesquelles tu t'es appuyé parce qu'elles ont été vécues, elles te bloquent aujourd'hui.
Tu n'es pas disponible pour l'instant présent. Mais là, ça vient même pas du mental. Ça vient des mémoires et des habitudes, c'est tout. Vous venez de nous apprendre qu'on pouvait manger des épisodes passés. Mais oui, puisque vous êtes dans l'ultra-temporalité. Et je croyais que l'acolyte vous avait dit dans ses soins spéciaux qu'il faisait, qu'il pouvait traiter dans le passé ou dans le futur. Mais vous pouvez faire la même chose là, pour vous. Pas pour traiter, mais pour absorber cette mémoire, cette habitude. Mais le problème, c'est que le mental ou la posture vous fait croire que c'est un point valable d'appui pour vivre le présent. C'est tout sauf ça. Et plus l'expérience a été belle, plus elle a été intense, plus elle va vous gêner aujourd'hui. Et d'ailleurs, souvent, vous constatez que ça vous fait repasser par les mêmes vibrations, les mêmes énergies, les mêmes états. Et vous êtes content parce que vous avez dit, vous le faites aujourd'hui, donc là, ça va aller jusqu'au bout. Eh bien, pas du tout, ça fait exactement l'inverse. Sans ça, comment veux-tu être libre totalement pour l'intelligence de la lumière dans ton présent si les expériences passées te servent de repère? Tu vois? Ah oui. Quand nous vous disons que cette résurrection ne peut se vivre que si vous vous abandonnez, si vous vous donnez, c'est pas pour aller le comparer, même si ça vient spontanément, à quelque chose qui a été vécu, que ce soit hier ou il y a 10 ans. Et je dirais que c'est parfois encore plus gênant de transcender une expérience agréable qu'une mémoire désagréable. Parce qu'il n'y a aucune raison de penser à faire disparaître un moment agréable. Et pourtant, c'est ce moment agréable situé dans le passé qui s'active dans le présent qui vous empêche de le vivre. L'instant présent doit être totalement libre, même d'événements passés agréables. Et surtout des expériences spirituelles d'hier. C'est pour ça que nous insistons aussi, même bien évidemment si vous vivez tous les circuits vibraux, de ne plus vous en occuper. La conscience nue, comme l'amour nu, n'ont plus besoin de ces préalables. Au contraire, ils peuvent devenir un poids. Et ils sont d'ailleurs un poids. Vous n'êtes pas dans une linéarité, vous n'êtes pas dans une progression de l'énergie, de la vibration, de la révélation. C'est ça aussi l'habitude la plus terrible de l'être humain. C'est de toujours se référencer dans l'instant par rapport à un passé ou à ce qui est connu. Nous le faisons tous. Alors ça, c'est utile pour les données de ce monde, mais pas pour les données de la conscience. C'est l'inverse. Dans ce que je vous dis aujourd'hui, vous avez une énorme clé. Oh oui, merci. Cela n'aurait pas été possible avant. Non, mais cela dit, même si dans les festins actuels, du coup, le mental peut revenir et puis me donner l'impression à un certain niveau d'un échec, en même temps, il y a une sorte d'incursion de petites percées de micro-joies extrêmement intenses, même si elles sont fugaces, qui me montrent que peu importe. Tout à fait, mais ce qui bloque, je te le répète, c'est pas le mental, ni ta personne là. C'est juste cette mémoire. Uniquement cela. Non, mais ça ne me bloque pas à ce point, parce que si vous voulez, ces petites percées... J'ai bien entendu. ...sont quand même extrêmement... Mais tu feras des grosses percées si tu te manges tes mémoires.
Et puis déjà, ces petites percées sont déjà bien, si vous voulez. Je suis déjà... Ah, mais je peux t'encourager. Il n'y a pas de souci ou te féliciter. Non, pas du tout. Non, mais si vous voulez, c'est déjà très, très intéressant. Mais ça sera plus qu'intéressant quand tu auras bouffé tout ton passé. Pas tout ton passé, mais ces événements qui te remettent dans ce que tu vis dans l'instant présent, dans une référence à ce qui a été vécu. Mais accepte que ce n'est pas un problème de mental, là. C'est juste un problème de mémoire. L'être humain étant si construit qu'il existe des mesures dites de préservation au niveau du cerveau archaïque qui joue ce rôle tout le temps. Un enfant qui met la main sur une plaque de feu la mettra pas deux fois, il sait que ça brûle. Donc ces réflexes de préservation par rapport au danger, mais aussi par rapport à l'amour et aux expériences vécues, va te polluer ton présent. Je vous remercie. D'ailleurs, spontanément, vous êtes toujours plus nombreux à le faire spontanément, à manger votre passé, à manger l'avenir. L'important aujourd'hui au niveau collectif, je rappelle quand même, c'est de manger l'essence humaine. Mais dans votre petite personne, individuellement, indépendamment des rendez-vous et autres, vous pouvez le faire, ça. Et tu vas voir le changement. Parce que dès que l'instant présent est coloré ou réveille quelque chose qui est déjà passé, déjà vécu, l'instant présent n'est plus libre. C'est tout. Et là, vu les circonstances actuelles, collectives, vous verrez que ça marche immédiatement. Comme ça a été dit, vous ne pouvez pas lutter contre certaines habitudes, même toutes, mais vous pouvez les vivre et les voir, non? Et en l'occurrence ici, c'est un événement agréable, c'est même pas une chose désagréable, mais ça bloque autant. Nous pouvons poursuivre. Nous n'avons aucune question. En voilà une. En écoutant le témoignage de certains frères et sœurs, j'ai entendu dire qu'en te mangeant, Bidi, certains ont explosé. Alors c'est quoi cette explosion? Une explosion? De quoi as-tu peur? Ça peut même faire du bruit, ça peut même sentir le brûler. C'est la vérité. D'ailleurs, je crois que l'acolyte vous a parlé des parfums. Mais moi, ça sent le roussi. Parce que c'est un feu terrible qui peut effectivement exploser. Et c'est pour ça que je vous disais que je ne suis pas digestible par tout le monde, dans un premier temps. Si vous voulez éviter qu'il y ait trop de feu ou trop d'explosions, eh bien mangez plutôt du féminin, des étoiles. C'est à chacun de vous d'adapter ses dégustations, de tester, de vérifier, de voir. C'est comme ça en tâtonnant, parce que pour chacun c'est différent. Le résultat est toujours le même. Mais encore une fois, vous n'aimez pas tous les mêmes choses. Mais retenez, quoi que vous en pensiez, qu'aujourd'hui, le mental
ne peut plus être un obstacle. Par contre, les mémoires, le passé et le futur, oui. On peut poursuivre. Quelle différence y a-t-il quand on mange des bonnes choses du passé, du présent et de l'avenir, ou quand on mange des mauvaises choses? Quelle différence y a-t-il quand on mange des bonnes choses du présent, du passé ou de l'avenir, ou quand on mange des mauvaises choses? Tu parles par rapport à quoi? Par rapport à toi ou par rapport au niveau collectif? Les deux. Les deux, mon capitaine. Au niveau collectif, tout ce qui t'est personnel n'a aucune incidence, et heureusement. Par contre, quand c'est une absorption de l'essence d'un frère ou d'une sœur incarnée ou pas, ça concerne le collectif. Mais encore une fois, quand tu manges ce qui te concerne, d'agréable ou de désagréable, le résultat est le même, c'est la liberté de l'instant présent. C'est-à-dire que ton instant présent n'aura plus besoin d'être comparé, mesuré ou jugé par quelque élément passé ou futur, projeté. Mais encore une fois, de manger par exemple un traumatisme majeur vécu dans l'enfance, quelque chose de majeur, crée et réalise une psychothérapie instantanée. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à la causalité du pourquoi, du comment, de vous remémorer cela, mais de le manger, ça prend 2 minutes. Et non pas des années ou des semaines ou des mois de psychothérapie. Le but ici n'est pas vraiment la joie, puisque tu n'absorbes pas d'essence, mais des mémoires personnelles, mais de libérer l'instant pour la joie. C'est un préalable, si on peut dire, dans certains cas, pour ceux qui n'y arrivent pas. Ça te va? Oui, merci. Parfait, continuons. Oui, ça me fait penser que beaucoup d'entre nous devraient commencer par manger leur naissance, qui a été souvent traumatisante. Pas nécessairement, vous traversez tout ça pour la plupart, alors n'allez pas vous dépolariser pour aller vous décarcasser sur tout ce que vous devez manger de votre passé. N'en faites pas une règle générale. Pour beaucoup d'entre vous, de manger l'essence de l'autre va balayer tout le reste. C'est à réserver au cas où vous n'y arrivez pas. Mais n'allez pas perdre du temps à vouloir manger tout votre passé. Ça ne sert à rien. J'ai bien parlé dans les cas spécifiques où vous avez l'impression de ne pas y arriver. Mais ne faites pas de cela un préalable. Et encore moins une obligation. J'ai bien parlé pour ceux qui ont l'impression ou un vécu qui ne vivent rien. Mais si vous vivez la réabsorption de l'essence, vous n'avez même pas à vous occuper de ça. N'en faites pas une règle générale, ni une habitude. Voyez comme le mental et la personne essayent de se saisir des trucs. J'ai bien parlé dans un cas spécifique. Et pas pour tout le monde.
Et toutes les mémoires ne sont pas agissantes dans l'instant présent. J'ai bien dit que c'était souvent les événements agréables qui sont les plus gênants. Et puis les blessures de la naissance, pour 90% des gens, ne sont pas actives aujourd'hui. Surtout, ne contrevenez pas ce que je viens de dire comme quelque chose qui doit être fait systématiquement. Surtout pas. Parce que si vous faites comme ça au préalable, c'est déjà vous penser qu'il y a votre naissance ou des événements qui vous bloquent. Essayez de manger, d'absorber, d'accueillir au travers de tout ça, et c'est comme ça que ça se passe le plus souvent. J'ai bien dit que c'était surtout les événements ou les expériences agréables qui peuvent bloquer. Et j'ai expliqué pourquoi. C'est pas la peine d'aller chercher autre chose. On peut poursuivre. Est-ce que manger quelqu'un qui est décédé récemment et qui est parti dans la colère. Est-ce que manger quelqu'un qui est mort récemment et est parti dans la colère peut aider. Oui, bien sûr. Mais mange bien l'essence de la personne, hein. Pas l'essence. Pas les asticots. N'hésitez pas à continuer, hein. Oui. C'est un témoignage. Bonjour Bidi. C'est un témoignage. Bonjour Bidi. Hier pendant le... Quand je t'ai dégusté. Hier pendant que j'étais dégusté. Ça a été très très agréable. Ça a été très très agréable. Il y a eu beaucoup de joie. Et puis tout à l'heure tu as dit que ça sentait le roussi. Que ça pouvait sentir le roussi quand on te percevait. Et cela fait plusieurs mois que dans la soirée, il y a une odeur de roussi dans la maison alors qu'il n'y a pas de raison. Et ça fait plusieurs mois qu'il y a une odeur de roussi dans la maison dans la soirée alors qu'il n'y a pas de raison. Ça vient par que... Juste furtif. C'est un furtif, hein, mais bon. Alors, j'ai pensé que tu pouvais peut-être venir me voir. Alors j'ai pensé que c'était peut-être parce que tu étais venu me voir. Tout à fait. Merci, Bidi. Il y en a qui sentent la rose. Moi, je sens le roussi. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez être innombrables à le dire, hein, vous allez voir. Mais c'est un roussi léger, hein. Très léger, oui. Mais c'est indéniable, c'est léger, mais c'est ça. Mais il y a roussi et roussi, il y a le cochon roussi, le bois roussi. On pourrait dire que c'est presque du poulet, mais en plus subtil. Le poil roussi, si tu préfères. D'accord. C'est une question bête. Une question bête. Avez-vous J'adore les questions bêtes. Avez-vous un rapport avec le maître Yoda? Quand je vous absorbe, je vois souvent... Avez-vous quoi ? Avez-vous un rapport avec le maître Yoda, qui est un personnage... C'est quoi ça ? C'est une petite grenouille verte. dans Star Wars, c'est pas ça ? Oui, c'est dans Star Wars. C'est le maître des Jedi. C'est le maître des Jedi. Mais qui est petit, vert et sympathique. Je crois pas, non.
Mais hier, vous avez parlé de Star Wars et j'ai eu la même vision que lui, d'ailleurs. Oui, parce que Star Wars met en scène, comme tous les grands films que vous nommez, des péplums ou des sagas, je ne sais pas comment vous les nommez, bien sûr que vous retrouvez les archétypes. Je crois que Abba vous en a parlé longuement. Ça ne peut pas être autrement. Parce que ça a été programmé, il a expliqué, on ne va pas revenir dessus. Mais tout, aujourd'hui absolument tout, pas seulement les chansons, pas seulement les images ou les films, la nature, la vie tout entière ne vous parle que de vous, au-delà de votre personnage. Parce qu'il n'y a plus de voile. Et tout est prétexte à la vérité, tout est prétexte à l'amour, sans aucune exception. Ah, c'est le film où il y a aussi les méchants. Mais je peux être aussi bien le gentil que le méchant. C'est des jeux de rôle. Rappelez-vous, vous n'êtes pas l'acteur. Vous n'êtes même pas le spectateur. On ne va pas revenir là-dessus. Une question. Hier soir, j'ai expérimenté de manger l'essence du pape François. Oh. Hier soir, j'ai expérimenté de manger l'essence du pape François. Très indigeste. Mais avec une bonne dose de bicarbonate, c'est bien passé. Attention, la digestion se passe dans le cœur. Et là, c'est la digestion, c'est uniquement l'intestin. Là, vous allez constater que c'est la rapidité ou la lenteur de l'absorption qui crée la pseudo-indigestion. Plus l'essence rentre vite, plus elle est réabsorbée dans votre cœur. Plus la pénétration se fait lentement, plus il peut y avoir des petites fuites que tu appelles l'indigestion. Mais quelle idée d'aller manger des tordus comme ça ! Attention, là, vous absorbez pas les personnages, vous absorbez les essences. Commencez par le plus agréable. Et quand vous serez acclimaté, vous pourrez aller au plus coriace. Là, nous avons un absorbeur de choc. Attention, c'est pas moi. Oui, mais rappelle-toi ce que je disais. Plus vous allez manger des mets raffinés, plus ça sera facile d'absorber même du fast-food. Mais ne commencez pas par le fast-food. Mangez les meilleurs morceaux d'abord. C'est même pas du fast-food. C'est même pas du fast-food. Pour le pape François. Comment ? C'est même pas du fast-food. Quoi ? Le pape François. C'est quoi alors ? C'est avarié ? Oui. Oui. Ben voilà ce que c'est. Autrement, si même cette essence est dure, ça veut dire qu'elle est humaine, mais qu'elle est profondément alourdie. Mais rassurez-vous, après ça passe. Vous ne risquez rien. Mais s'il vous plaît, commencez par les choses simples, les frères, les sœurs, les amis. Hein, ne vous amusez pas à digérer les essences là, comme vous l'avez fait avec les personnages. C'est pas la même chose là. Hein. On vous demande de manger ce qui est léger afin d'ouvrir la voie au niveau collectif à l'accueil et à l'absorption. C'est pour ça déjà que je vous ai dit que même dans la rue, même sans être aligné, vous pouvez le faire. Avec les inconnus, qui seront nécessairement plus digestes que le pape. Si on parle d'essence,
si on parle d'essence. Comment ça peut ne pas être que de l'amour? Comment cela peut être pas que de l'amour? Si on Mais parle... parce que certaines essences sont atteintes. Ah, d'accord. L'impression des vies, la polarité de l'âme a été telle qu'elle a altéré, pas de manière définitive, mais quand même assombri l'essence. C'est pour ça que j'ai parlé d'enfants, que j'ai parlé d'inconnus, pour l'essence plutôt que des grands personnages. Quand c'était les personnages, vous pouvez manger Yaldébaoth, le pape qui vous voulez, avec la même facilité. Mais là, on est dans l'essence. Toutes les essences sont une, je le répète, mais certaines ont été un peu perturbées. Surtout pour les personnages qui sont connus. Continuez, hein. Ah, nous avons une question. Comment cela se passe-t-il si on a l'intention de manger quelqu'un et que c'est un portail organique? Comment ça se passe si on a l'intention de manger quelqu'un et que c'est un portail organique? Vous en direz rien. Le vide. Et quand vous aurez l'habitude de déguster, comme ça a été dit, vous sentirez ce qui arrive en vous, dans le cœur. Eh bien, dans un portail organique, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui peut arriver, il n'y a pas d'essence. Donc, effet zéro. Pas de troubles de digestion, pas de joie, pas de sourire, rien. Vous risquez aussi, je vous préviens, quand vous réabsorbez l'essence, et pas vous soignez, mais quand vous réabsorbez l'essence de certains frères et sœurs qui sont en train de passer de l'autre côté. Bon, vous allez me répondre que vous passez tous de l'autre côté, mais passer de l'autre côté d'une maladie ou spontanément dans la joie, c'est pas tout à fait la même chose. Le résultat sera le même, mais si vous mangez quelqu'un qui est en train de passer, vous allez sentir un peu comme un portail organique. C'est comme s'il n'y avait rien qui arrivait. Parce que ces êtres-là ont déjà entamé un processus d'excarnation. Et cela avait été expliqué il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, il n'y a plus de réincarnation. Tous les désincarnés sont placés en stase. Mais dans le processus de l'excarnation, l'âme, comme l'esprit, commence à se retirer de la personne 2 ans avant. Donc pour une personne qui est en voie de partir, vous pouvez dans certains cas constater qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'essence. Et là, bien sûr, il ne se passera rien. C'est à peu près les 2 seuls cas de figure où vous ne risquez pas d'indigestion, mais où il n'y aura strictement aucun effet en vous, ni en l'autre. Et rappelez-vous aussi, ça a été dit dans un témoignage précédent, quand vous êtes mangé, même sans le savoir, vous êtes aussi en joie. Donc plus vous vous mangez les uns les autres, même sans le savoir, plus vous êtes en joie. C'est ça le processus collectif aussi. Bah, attendez, là, je comprends pas un truc. Si on part tous 7 milliards d'humains avant, dans 2 ans, on devrait avoir plus rien non plus. Alors. Pas du tout, vous êtes totalement présent, vous. Ah, d'accord. Complètement présent. En totalité, avec vos lignées, avec toutes les dimensions. Sans ça, il ne peut pas y avoir de réabsorption. Ah oui, justement. C'est simplement ceux qui sont en train de partir de maladie, j'ai dit. Ah, d'accord. Pas par la joie de l'amour et de la lumière. D'accord.
pouvez continuer, hein. C'est juste une impression. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche parfois à compliquer des choses ultra simples. C'est juste une impression. J'ai parfois l'impression qu'on essaie, qu'on cherche à compliquer des choses très très simples. Tout à fait. On est bien d'accord. Mais bon, on pose des jalons, pas pour toi, mais pour tous ceux qui se posent des questions. Et il faut accepter que par rapport à ce processus qui est commun et collectif, vous n'avez pas tous la même présentation. Et donc, il y a besoin, pour certains, de mettre les points sur les i, de réexpliquer. Vous n'êtes pas ici dans des processus parfaitement superposables, par exemple avec une étoile qui est toujours là ou une porte qui est toujours là. Vous êtes dans la flexibilité de la conscience. Effectivement, c'est très très simple. Mais la simplicité que toi, il te semble vivre, réel, pour d'autres ne l'est pas du tout. Je l'admets. Parce que là, c'est pas la même chose. Quand on parle d'une étoile, d'une porte ou d'une fonction, les repères anatomiques sont les mêmes. Pour le yoga de l'unité, c'était toujours les mêmes mots, toujours les mêmes gestes pour tout le monde. Dans ce processus-là de réabsorption, où on a largement développé quelque chose qui, comme tu dis, est hyper simple, mais pour que tout le monde s'y retrouve. Et que les questions soient réglées maintenant, mais pas quand ça va se produire. Tu vois bien d'ailleurs, même à travers l'expérience et le vécu d'hier soir d'une sœur, je crois, que la confusion était présente, malgré un vécu juste. Donc si nous ne mettons pas, pour les cas les plus improbables et les plus rares, les éventuelles erreurs d'appréciation, comment veux-tu qu'elles se redressent? Pour celui qui le vit déjà normalement, il n'y a pas toutes ces questions. C'est effectivement affreusement simple. Mais nous sommes obligés d'envisager toutes les possibilités. Quand il s'agit de la bénédiction d'un archange, c'est très simple les effets. C'est toujours les mêmes. Mais là, dans le processus de l'absorption, la finalité est toujours la même, mais les voies ou les expériences vécues peuvent être profondément différentes. Et nous sommes obligés de passer en revue les différents cas de figure. Et effectivement, ces différents cas de figure peuvent être complexes pour quelque chose qui est très simple. C'est pas le processus qui est complexe, c'est les explications personnelles. Parce que même si la finalité est la même, le vécu est différent. Ce qui n'était pas le cas pour l'énergie ou la vibration. Pour le yoga de l'unité, quand on mettait les mains là, il y avait le même résultat ou pas, mais il n'y avait pas de différence. Par contre, là, vous voyez bien à travers les témoignages que chaque cas est particulier et différent pour quelque chose de simple au départ. Donc, il est indispensable que chacun ait quelque part dans sa tête les différents cadres possibles de manifestation ou d'interaction. Sans ça, ça risque de durer longtemps. Imaginez que vous ayez des millions de frères ouverts qui, parce qu'ils ont senti une petite douleur, se disent « ça marche pas » et inversent leur humeur. On fait comment? Il vaut mieux définir tout ça avant. Et je suis désolé si pour toi ça complexifie. Garde l'aspect le plus simple. Monsieur le cas.
Et pour ceux qui ne se posent pas de questions, et pour ceux qu'on dit, je suis un vrai gamin ou un enfant. Et pour ceux qui ne se posent pas de questions, et à qui on dit, t'es un vrai gamin, un enfant. Je comprends rien, ça veut dire quoi? Notre frère a l'air de dire, je sais pas quoi d'ailleurs. Mais si tu tiens compte du regard de l'autre, comment veux-tu être libre? Si tu définis ta position par rapport au regard de l'autre, c'est ça que tu veux dire? Absolument pas. On constate que je suis un vrai gamin des fois, ou comme un enfant. On constate qu'il est un vrai gamin ou un enfant. De qui parle-t-on? Il y a de lui. Il pas de questions. Et alors? Et alors c'est tout. Et alors il ne se pose pas de questions. C'est mystérieux, c'est comme ça. C'est une parole spontanée. Ah, ça c'est sûr. Mais par contre, il nous reste pas beaucoup de temps. Hein. Ça veut dire quoi? 6 minutes. Combien? 6. Encore une? La dernière. On en a une. Alors, donc, en définitive, on abandonne l'absorption des personnes. En définitive, on abandonne l'absorption des personnes. Et on se consacre juste à l'absorption des essences des personnes. Et on se consacre juste à l'absorption des essences des personnes. C'est ce qui est répété depuis 3 jours. Ou 4 jours même. Vous vous passez le film dans la tête pour le réaffirmer ou quoi? Vous absorbez des éléments de votre personne ou de votre histoire. C'est un aparté que j'ai fait qui a été long. Mais dans le processus collectif, vous absorbez les essences. Point barre. Où tu veux en venir? Quand même dans des processus particuliers. D'une personne. Non, mais je demandais une confirmation. Je demandais une confirmation. Et c'est quoi la confirmation? Parce que là, je crois pas que tu as dit la bonne confirmation. On n'oublie pas les personnes. Ta personne, si elle gêne, tu la manges dans les circonstances, les mémoires, les blessures, ce que tu veux. Mais dans l'absorption de l'essence, il n'y a pas de personne. Ah oui, d'accord. C'est deux choses qui sont différentes, mais qui passent par la même voie. J'ai été clair? Ou pas? Et on continue à faire les deux, alors. Selon les cas. Selon ce qu'on veut faire. Non, c'est pas selon les cas. Pour toi, c'est ta personne, mais quand tu manges une essence, on n'en a rien à faire de ta personne et de l'autre personne. D'accord. Ne mélange pas les deux. Ne confondez pas le processus collectif de la résurrection collective et de l'événement que vous allez déclencher. Et ce qui se produit en toi, quand tu n'arrives pas à le vivre, parce qu'il y a des mémoires, on est resté un moment pour l'expliquer, parce que c'est important, mais ne mêle pas les deux. Pourquoi? Il n'y a pas l'un avant l'autre. Il y a effectivement certains cas personnels, où ça a été expliqué par notre frère à côté, mais pourquoi en faire une règle générale? Bon, d'accord, on garde les deux, selon les cas. Pas du tout. Pas du tout. Ne t'occupe pas d'autres personnes. Pour ta personne, si ça gêne, oui, fais-le tout seul. C'est bien ce que j'ai dit. Mais quand ça concerne un frère, tu vas pas aller rentrer dans son histoire.
Sans ça, vous revenez en arrière et vous me faites comme faisait l'acolyte il y a 2 mois. On n'en sort plus. Et vous vous consumez, et vous consumez, et vous êtes toujours là. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Exact. Donc ne retenez que l'essentiel de tout ce qui a été dit depuis 3 jours. Et on a simplement aujourd'hui survolé des cas particuliers, mais ne faites pas de ces cas particuliers une généralité. J'ai jamais dit ça. Ou je l'ai dit? Non. Merci. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez apparemment. Hein? On vous demande une précision, une autre personne. Oui? Mais vous avez dit, quand on parlait tout à l'heure du pape François, que certaines essences pouvaient être un peu corrompues. Vous avez dit tout à l'heure à propos du pape François que certaines essences pouvaient être corrompues, mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai pas dit corrompu. Oui, non, ouais. Je ne comprends pas pourquoi une essence, puisqu'il s'agit d'une essence divine, elle peut être. Est-ce que ça va te gêner pour faire ce qu'il y a à faire de comprendre ou pas? Mais c'est pas rien, c'est bien une essence divine. Pourquoi veux-tu comprendre ça? Si tu ne l'as pas compris, passe. Une essence divine, elle doit être. Une essence divine devrait être incorruptible. Mais on est d'accord. Mais regardez les circonstances de vos âmes, ça a été expliqué par Manandamoni il y a des années. On va pas revenir 7 ans en arrière quand même. Vous n'avez plus besoin de comprendre ça. C'est des concepts, ça c'est du mental. Ah oui, mais je comprends pas, les essences sont incorruptibles. J'ai pas dit corrompues, j'ai dit assombries par le poids de l'âme. C'est pas la même chose. À quoi ça va te servir de comprendre cela pour faire l'exercice qui a été expliqué en long, en large et en travers? Explique-moi. Il ne s'agit pas de comprendre pour le faire. Il s'agit de. Je vous ai dit, Il ne s'agit pas de le comprendre pour le faire. Je voulais juste une précision par rapport à ce que vous avez dit. Mais c'est précis. J'ai jamais parlé de corrompu. C'est pas le mot que j'ai employé. Non, non. Il y a dit nous faisons toujours très attention aux mots, surtout maintenant. J'ai dit qu'il y avait des essences qui étaient plus digestibles que d'autres. C'est la vérité. Si l'essence est recouverte de poids d'âme qui sont opposés à la lumière, bien évidemment que l'essence est incorruptible, mais elle est recouverte de quelque chose. Et là, ça peut être difficile à digérer. C'est pour ça que j'ai dit, adressez-vous au plus simple. À des enfants, à des frères et sœurs que vous connaissez. Là, c'est plus clair déjà. Là, c'est plus clair déjà. Mais c'était ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Ça a toujours été. Ça a toujours été clair. Bien, je crois qu'il est temps de vous reposer, hein? Alors, Bidi vous remercie. Merci. Et certainement une prochaine fois, mais surtout en vous. Oui, oui, sans problème. Et je vous souhaite un bon roussi. Merci. À bientôt. À bientôt.